Bonjour. Voilà, revenu un peu en montagne, juste pour l'après-midi. On va essayer de monter au col de Sarvatan, qui se trouve au-dessus de Saint-François-Longchamp. Après quelques petits passages délicats dont nous n'avons plus souvenir, et avec la récente petite chute de neige, ça a compliqué un peu les choses. Mais là, voilà, on arrive au col de Saint-Vatan. Voilà, nous sommes repartis du col de Sarvatan. Nous allons descendre vers Pierre-Mouton. On va rejoindre la bifurcation. Attention, je pose les pieds. Donc on va rejoindre la bifurcation qui nous emmènera au col de Montjoie. On ne sait pas pour combien de temps on en a, ils annoncent 1h50. Mais vu le terrain, je pense qu'on va donner un peu plus. Après cette longue descente qui nous a emmené à Pierre-Mouton, une descente où il y avait pas mal de petits éboulis à passer, les chevilles n'ont pas trop aimé, nous arrivons à la bifurcation et nous allons prendre la sente qui va nous mener au col de Montjoie. En montant au col de Montjoie, nous avons passé les paravalanches faits de murets de pierre. Ça protège le village des pierres qui se trouve dans le fond de la vallée. Et là, nous continuons. Nous serons bientôt en vue du col. Voilà, nous avons passé le col de Montjoie et son abri. Il ne nous reste plus qu'à redescendre sur le télésiège de la Lozière
doit se trouver à une petite heure. Une petite bise s'est levée de ce côté. Donc on va pas quitter la veste. Ils annoncent le télésiège de la Lozière où est garée notre voiture à 40 minutes. Il commence à faire un peu sombre. On espère ne pas avoir à sortir les frontales pour terminer cette petite rando. Voilà, on arrive à la bifurcation qui nous ramène au télésiège de la Lozière. Donc il a bien fallu finir à la frontale, et vu qu'on en a qu'une, eh ben ça a été un peu plus compliqué. On en a encore pour 10 minutes et on est arrivé.